just noticed that she's got an amazing work ethic. She never misses a day. She never misses a training. She never misses a practice. When I tell her to do something, she does it. Moi, je rêve en grand et mes ambitions sont claires dans ma tête. J'ai des objectifs et je sais où aller. Je viens pas d'une famille riche. J'ai travaillé dur avec mon père pour faire de l'argent et pouvoir être là aujourd'hui. Ici aussi, à Los Angeles, c'est pas facile. Mais ça me donne encore plus la force de réussir et de trouver des moyens pour y arriver. Rien n'est acquis. Family has such support, that means they believe in her a lot, and most families would not do that. But the fact that her dad comes out, supports her, it's pretty impressive. Like, I don't know many people that would pack up and move across, you know, halfway around the world for their kid to be a fighter. That just doesn't happen. Après, en tant que parent, voir sa fille quitter l'école après le bac, bien évidemment, on craint un petit peu, on doute un petit peu, mais voir ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est assez atypique, j'ai envie de dire. Quitter tout ce qu'elle a, sa maman, elle est ici, elle n'a plus d'amis, elle n'a plus rien, elle est vraiment dans un environnement où elle ne connaît absolument rien. Et elle va réussir dans sa vie, il n'y a pas de tissu, elle est vraiment déterminée. Ça me donne encore plus l'envie de l'aider, de l'accompagner, mais je serai toujours là derrière elle et je ferai de mon mieux en tout cas. A lot of people who get into fighting, they want to be fighters, but they get in there and something happens. They get nervous, they get punched, they realize the crowd's around and their relatives are there and something checks out. Alexia doesn't have that. She's really determined and she's really focused. Voir mon père me soutenir ici, ça n'a pas de prix. Je suis contente de le rendre fier. Il me donne encore plus d'énergie pour réussir et me surpasser. Quand elle était dans la cage, c'était l'ascenseur émotionnel. Chaque coup qu'elle prenait me faisait mal. Chaque coup qu'elle donnait me rassurait. Je pensais que mon cœur allait s'arrêter. She walks around at 115 pounds, which is the lowest in the UFC. But her striking was good. I mean, it's very Muay Thai traditional, which needs to be changed a little bit for what we do. But she's really tough. She doesn't back down. She hits very hard for somebody her size. Her jiu-jitsu is getting better, but it's still very, very early stages of jiu-jitsu. So I was afraid, okay, if she takes you down, are you going to be able to get back up, back to your striking, which is your main thing, your bread and butter, so to speak. So, but Alexia has a couple of really slick moves on the ground that she catches people with. And one of them was this one, this Gogo Plata, which I think there's only been like two Gogo Platas in history. Je vois deux victoires sur son combat, sur le ring bien sûr, et dans la vie. Elle a un objectif qu'elle accomplit. Cette victoire, ce n'est que le début d'une longue histoire qu'on est en train d'écrire.